Aujourd'hui, on va s'affronter avec mes potes dans une course de shiny sur Pixelmon. Et les règles d'une shiny race sont très simples. Si on capture un Pokémon shiny de base, on gagne 1 point, 2 points pour une évolution du milieu et 3 points pour une évolution finale. Mais si on a la chance de trouver un Pokémon légendaire, un fabuleux ou une ultra chimère, c'est 5 points. Qui de la team Aqua composée de Dart et de Gefluzz ou alors de la team Magma composée de Victor et moi va gagner? Qui va se faire éteindre? On va découvrir ça maintenant. Oh, Pyrax shiny, let's go! Gefluzz, on va gagner! Moi je pense que tu vas pas m'éteindre mon pote. Vous démontez! Faut que vous sachiez quelque chose, la team qui gagne okay. A une display à ouvrir à deux. Arrête. Une display pour l'équipe. Une display pour l'équipe qui gagne. Non. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Dart, on doit gagner. Bon bah allez, il est 17h30, on a 3h, c'est parti. Oh oui, ouais, direct. Équipez votre armure pour avoir du flow. On peut changer de voc. Oui, go. Hop là. Ok, Minoc, est-ce que t'as une strat là? Ouais, tu sais que j'ai vraiment une méta. Et Gefluzz, il la connaît aussi, donc faut qu'on se dépêche. En gros, avec Gefluzz, on a déjà fait capturer tous les shiny. À un moment, on a remarqué que dans les océans, il y a beaucoup plus de Pokémon qui spawn. Et du coup, il y avait beaucoup plus de shiny, tu vois, statistiquement. Donc, go push les océans, je pense que c'est la méta. À mon avis aussi, essaye de capturer un Pokémon sur lequel tu pourras, tu sais, voler. Ouais. Je suis d'accord. Genre là, j'ai trouvé un Yanma, je crois qu'il y a moyen je peux voler dessus. Frérot, là, comment dire que moi je vise juste la victoire. Avec la display là. Oh là là, comment elle va être bien. Frère, tu sais que ce serait incroyable. Oh mec, je suis trop hype là, ça y est. Le truc de la display, il donne envie, ça donne envie d'un coup. Et même, genre, aussi pour le Lego, j'ai envie de gagner. Surtout que Dart, c'est un peu ton ennemi sur le camouf. Ouais. Non, faut que je lui montre que... Je suis boss, que je suis un peu patron. Putain, en fait, j'ai abandonné le Yanma, mais non, je dois pas l'abandonner, parce que c'est un Pokémon qui vole, quoi. Yanma, il vole? Ouais. Ouais, bah tu sais, c'est une libellule. Ah, Yanma, ok, ouais. Pensez à Makuhita, non? Pensez au mec qui fait du combat là. Ouais, même moi. En plus, ça ressemble grave au nom de famille de Baki, frère, et Baki Yanma. Ouais, vraiment. Et je pense qu'il y a un lien entre les trois que faut faire. Il y a quelque chose à faire. Oui, je pense que, effectivement. Wesh, il y a l'hérisson. Ah, l'hérisson, POV, j'ai codé le camouf. Ouais, vraiment. C'était à plein cruce partout, ce mec. Donc la strat, hein, c'est aller dans les biomes hauts. Et même le biome des ultra chimères, moi, il me tente. Hein. Là-dedans, on peut avoir que des gros Pokémon. On peut avoir des ultra chimères aussi. Franchement, si on a un portail, il faut le rush. Mais ce serait cool qu'il y ait des shiny un peu. Oh, je suis tellement pas patient. Ça fait 7 minutes que ça a commencé. Hein. Gourmand, va. Mais attendez, ma vidéo est littéralement en train de se faire hacker par Rappa, le nouveau personnage de Honkai Star Rail. Pour ceux qui ne connaissent pas Honkai Star Rail, c'est ce jeu qui a décroché le titre de meilleur jeu mobile de l'édition 2023 des Game Awards. Il a même été élu meilleur jeu de l'année 2023 sur Google Play, mais aussi sur l'App Store. Un succès mondial qui a dépassé les 100 millions de téléchargements en une seule année. Et j'aimerais bien vous parler du nouveau personnage, Rappa. En gros, c'est Ninja Monster Ranger de la galaxie. Stylé, non? Et si vous voulez un personnage stylé, vous pouvez pas avoir mieux. Son surnom, c'est la Ninja Éblouissante. Rien que ça, c'est stylé. Comme dans Naruto, elle maîtrise une ninjutsu et elle a des shurikens. Et en plus, elle adore le rap et les graphiques. Moi, je pense à un personnage qui est réellement sympa. En plus, un gameplay plutôt spécial sur ce jeu, puisque dès qu'elle utilise son ultime, elle met des lunettes de protection et ça fait que vous pouvez passer dans un style de jeu similaire à un FPS. Honnêtement, c'est un perso qui est stylé et qui fait que dire à tout le monde qu'elle peut écraser une étoile à main nue. Pas sûr que ce soit vrai ça. En plus, Archeron et Aventurine font leur retour sur Honkai Star Rail dans la version 2.6, ainsi que Dan Hong In Baby Torlinae. Dans cette nouvelle version, un gros événement technique de la chasse au son va faire son apparition. Cet événement est un jeu de rythme dans lequel vous devez composer vos propres chansons exclusives dans un festival musical où tout le monde est invité. Donc, pour ne pas rater toutes ces nouveautés, vous devriez vous connecter pendant 7 jours. Ça vous permettra d'obtenir 10 passes spéciaux gratuitement du Star Rail. Vous pourrez d'ailleurs les utiliser pour obtenir Rappa, Archeron ou encore Aventurine. Téléchargez le jeu depuis le lien, essayez ces nouveaux personnages et utilisez le code d'échange ci-dessous pour obtenir 50 Jade Stellaire. Encore un grand merci à Honkai Star Rail d'avoir sponsorisé la vidéo et c'est reparti pour la chasse au shiny. Oh, oh, j'ai un océan, j'ai vraiment un big océan. Oh mais c'est super nouvelle ça. Oh, attendez, des Hippotrampes. Si j'ai Hippotrampes shiny, je vais crier, c'est mon Pokémon préféré de la 1G. Là, il y a des Pokémon partout. Ça veut dire qu'il y en a forcément un qui sera shiny. Mais en fait, là, tu sais que c'est mon moment de prouver que je suis meilleur que Gefluzz. Hein. C'est littéralement le my time. It's time to shine my bar. Oh, mais attends, il y a tellement de Magikarp. S'il n'y a pas un Magikarp shiny là, c'est pas normal. Hein. Oh, il n'y a pas un seul Magikarp shiny là. Un shiny, ça, je reconnais le skin. Oh, jure. Et je suis pas sûr qu'on ait un. Eh oui, il est là, le petit Charby. Oh, let's go, ça, gros. Je sais que j'arrive à capturer maintenant. Ok, et de 1. Ok, nickel. Oh, mec, la jungle. Ah, je crois que si on va sur le toit des arbres, on peut y avoir, tu sais, Toko truc là, Toko Dombi. Toko Dombi. J'ai. Oh, oh, chaque rip pour shiny. Oh, GG. Oh, ça le capture du premier coup. Oh non, il est pas. Oh, mec, il m'a fait une feinte de baiser. J'ai cru qu'il était dedans. Mec, j'y crois. Putain, mais arrête de faire ça. Ouais, en plus, là, mon moustillon qui a plus de vie, c'est le dernier essai. Allez. Oui, c'est bon, let's go. Allez hop. GG. Oh, la feinte de frappe. Il y a un ratata vert. Mais c'est un skin, c'est pas un shiny. Ah ouais, wow. Oh la feinte. Oh, mais tu sais que moi je vois ça, je me suicide. Hein. Bah ouais, là tu m'incites juste à faire des choses mal. Bon, vous le voyez pour le moment, on a juste un point chacun. La course est assez serrée, mais ça va assez lentement. Et vous le verrez plus tard, ça risque d'aller bien plus vite avec des événements de fou qui vont arriver. Et déjà, rien que pour accélérer ça, Victor a décidé d'ajouter une dernière règle. Attends, tu veux pas donner une Master Ball à chacun? Comme la dernière fois? Ouais. Vas-y. Ça c'est incroyable ça. Oh là là, masterclass. Oh mec, là si on a un légendaire, on peut se le prendre. Bon là on est bien avec la Master Ball et tout, mais la petite pause, Gefluzz a eu un bug. Ça veut dire qu'on a fait une pause dans l'enregistrement. Du coup on s'est dit vas-y, on bouge pas le temps que Gefluzz revienne. Donc après un petit peu de temps, on pouvait enfin reprendre. Bon bah on recommence, vous êtes prêts? Vas-y, okay. Bah bougez de ce vocal.
Ciao les losers. Allez, mais je vous avais dit les gars, personne pouvait bouger. Et pourtant, écoutez la confession que m'a fait Victor. Est-ce que tu veux une confidentialité ou pas? Je suis pas sûr que c'est ça le mot à employer, mais vas-y. Petite confidence, il se peut que j'ai jamais arrêté de bouger en vrai, moi. T'as continué de jouer? Ouais. Il se peut que j'ai continué de jouer, moi. Et t'as eu quelque chose? Non, rien. Hein. Je suis mort de rire, t'as triché, et même en trichant. Même en trichant, je suis nul. Hein. Et on a une display à gagner, hein. Ici, c'est. Ouais, on ouais, a des rats de pis, frère. Il y a de l'argent en jeu, t'étais fou. Le Victor gros rat, c'est ça qu'il me fallait, c'est ça que j'avais besoin. Mais attends. Mais même gros rat ou pas, frère, j'aime trop gagner. Ça y est. Ah bah ça, j'ai vu ça quand t'as dû trahir tes potes pour gagner. Ouais, c'est vrai. Et moi, tu me trahiras pas, hein, mon pote. Non, jamais, attends. Moi, je trahis jamais personne. Ah. Vous dites trahir, mais vous employez directement les c'est un les grand mot en fait, trahir. Tout le temps les Est-ce grands que tu lui aurais pas finalement porté assistance pour qu'il puisse changer d'équipe de manière. Voilà, c'est autonome. Ça, je les ai fait changer d'équipe. Voilà, je leur ai fait comprendre que bon, c'était pas la team la plus optimisée. Ah, en vrai, je commence à me ranger dans ton camp. Mais oui, je leur ai rendu service, frère, en fait. C'est ça qu'ils comprennent pas. Exactement. Oh, bah je viens de trouver un temple comment ça s'appelle? Du désert. Du désert? Ouais. Imagine une pomme de notch. Ça devrait faire des points, je pense. Ouais. Bon. J'ai un shiny. Oh. Ok, il s'est libéré. Allez, rentre, s'il te plaît, mon pote. Rentre dans la Pokéball. Ok, toujours pas. Ah, mais okay. J'ai une Master Ball, j'utilise ou pas? Ouais, non, en fait. En vrai, faut me garder pour un légendaire, non? Ouais, c'est vrai. Il a une évolution ou pas, lui? Biome désert, Registeel, c'est moi. Oh, y'a un Rakaillou shiny juste à côté de moi. Mec, j'ai full shiny là. Hein. Est-ce que je lui fais un pistolet à eau? Vas-y, je tente le pistolet à eau, frérot. Il est niveau 10, je suis niveau 8. J'espère ça le. Il a 3%. Il a 3% d'HP. Capture Z. Oh là là. Balls. Hype ball. Allez, niveau 10, hyper ball. 3% d'HP, frérot. Normalement, ça rentre. 4. Ok, c'est bon. Nickel, c'est bon, jeu. Et ne croyez pas qu'il y a que Dart qui se met bien parce que, en même temps, voici ce qui arrive à Victor. Oh, Remoraid, j'avais dit quoi? Oh, shiny? Ouais, Shane. Oh, ça me. C'est plaît. Le mauvais, c'est le mauvais. Putain, non. Il arrive pas à s'échapper. Non. Il va m'enculer tous mes Pokémon. J'ai lancé contre le mauvais Remoraid. J'arrive pas à m'échapper. Il a démonté mon Pokémon. J'arrive pas. Ok. Où est passé le Remoraid? Il est là. Allez hop. Allez. Pour la display. Allez. Oh, let's go. Tu l'as? Oui. Regarde le chat. Il va falloir que tu l'as. Oui. Let's go. Oh là là, double du mec, t'es trop fort. Un petit peu trop fort. En plus, il est niveau 13. Magnifique. Bref, là, faut qu'on monte en niveau. Moi, je vais. Vas-y, faut que je farme les niveaux là. Ça, je vais avoir mon évolution. Je farme des points. Et en même temps, si je peux trouver un petit Pokémon, ce serait cool. Chaque répand, il évolue niveau combien? Niveau 20, ça doit être un truc comme ça, non? Niveau 20. Ok, niveau 20. Faut que je monte niveau 20. Là, j'étais renta sur la vidéo. Non, Pyrax Shiny. Pyroni Shiny. Pyroni Shiny. Je te jure. Niveau 5. Allez. Faut que j'arrive à l'avoir. Niveau 5, ça peut. Bon, mais il est que niveau 5, c'est-à-dire. Oh, pardon. Ah, mais je peux pas le faire évoluer. Mais Pyrex, il évolue niveau 50. C'est foutu. Waouh. Si j'ai Pyro. Oh, mais déjà, Pyroni Shiny, c'est cool, ça fera un point. Mais si j'arrive à avoir Pyrex. Je te lise la première phrase du wiki ou pas? Pyroni est le Pokémon de base qui demande le plus haut niveau pour évoluer par montée en niveau. Bah, à voilà. Savoir le niveau 59. Oh, bon, bah, le Pyrex, hein. Je pense que c'est un peu dead. Oh, let's go, j'ai Pyroni, c'est bon. Mais du coup, ouais, bon, Pyroni, jamais je le fais évoluer. Ça veut dire lui, on s'en fout. Priorité là, ça va vraiment pas être lui en tout cas. Ça va être de monter chaque Creepan parce que, mine de rien, je dois lui faire monter 10 niveaux et j'ai toujours pas fini. Hein. Ah oui. Donc, on va se concentrer sur lui. Mais ça, Rakaillou Shiny, mais wesh. J'enchaîne juste. Mais attends, mais tu vas être à 3 là? Bah ouais. Mais tu sais que tu te rends compte que. On a littéralement le même mode, genre on a la même chance en vrai. Oh, mec, il y a une machine à échange à côté. Ça veut dire qu'il faut que je fasse évoluer en Gravalanche. On fait l'échange et ça fait qu'on aura Grolem. Ok, parfait, je l'ai one shot, Rakaillou. Oh, Pokémon est encore shiny, mais quoi? Mais comment ça se fait? T'es en train d'avaler toute ma chance, j'ai absolument rien, putain. Oh, let's go, je l'ai, magnifique, mascaillement. Voilà, c'est un quatrième shiny. En plus d'avoir de la chance sur les shiny, regardez ce sur quoi Victor est tombé. Oh, il se peut que je sois tombé sur le bateau de la team Plasma. Oh! Y'a rien à faire dedans. C'est un bateau qui vole. Oui, oui, non, mais c'est exactement ça, mais y'a rien à faire dedans. Je viens de réfléchir là, Mais bon, ok, c'est inutile, mais c'est rare. Si on arrive à avoir cette display, je fais un post Instagram de tout ce qu'on aura eu dans la display. Genre, tu sais, je ferai une photo de la display et après une photo de tout ce qu'on aura eu. Ça sera trop stylé. Genre. Et d'ailleurs, abonnez-vous à mon Insta. C'est pas comme si j'avais pas 3 abonnés sur Insta, les frères. Mais en fait, le truc, c'est que vu qu'on va gagner la display, s'ils veulent voir ce qu'il y a à l'intérieur, faut qu'ils aillent voir sur Instagram. Moi, c'est tout ce que exactement. Puisqu'on va la gagner, parce que je vous le dis, y'a aucune chance que c'est eux qui gagnent. Bah, genre, vraiment. Évidemment, pour moi c'est indiscutable. Genre. Mais en vrai, là, faut pas non plus s'estimer trop heureux, parce qu'il y a moyen qu'eux aussi soient vraiment bien. Ça me fait vraiment peur. Surtout, moi, je pense qu'il faut surtout pas les sous-estimer. Bah ouais, parce que j'ai Floss, mec, je veux dire la vérité, le combat du jour 1000, il m'a fait rouler dessus, je crois que je l'avais battu 0 Pokémon. Il a joué genre 2 fois plus que moi à Pixelmon. Genre ah, vraiment. Ouais. Ah, mais vraiment, moi je faisais mes petits 1000 jours, lui, il continuait de jouer entre temps. Ah ouais, ok, ouais, donc. Non, vraiment, faut vraiment pas les sous-estimer, genre. Attends, t'as combien de Shiny à l'heure actuelle? 2. Ok, j'en ai un. Parmi ceux que t'as, y en a qui peuvent évoluer et combien de fois? Bah, je crois Naclip a évolué 2 fois aussi et l'autre c'est Charby Shiny encore. Mec, ça nous fait 6. Jure? Bah, attends, mais là ça nous fait 9 points.
Plus le mien, 12. Tokotoro. Ouh, attends. Oh, Tokotoro. Tokotoro, Byomjang, c'est moi. Tokodombi, c'est moi. Mais mec, t'as tellement de chance. Ouais, il est vraiment sur moi, je le vois sur la map. Je crois qu'il est pas shiny. Bon, je tente la capture. Est-ce que j'ai Master. Tu sais que j'hésite à Master Ball. Comme ça, j'ai un niveau 60 et je farm tout le monde trop facilement, genre. Bah, surtout que là, le niveau 60, l'avantage, c'est qu'il vaut donner masse XP, frère. Ah, ouais, ouais. Bah, déjà, je teste un peu d'Hyper Ball, mais. Ouais. Je pense que je Master Ball. Hein. Ils vont me voir avec les légendaires, ils vont paniquer. Ils vont se chier dessus. Ouais, c'est vrai, oui, putain. Si on peut les avoir mentalement, genre. Viens, on regarde si je suis en tendance générale. Ah, vas-y. Parce que, mec, si pour la première fois de ma vie, je suis en tendance générale, je vais être trop heureux. Oui! Top 10 des tendances générales! 10ème. Top 10 des tendances générales! Mec, là, va se taper. Tendance générale, frère! Screen, frère. Screen. Attends, je peux. Oui, bah alors, bien sûr, je vais screen. Top 10 des tendances générales, ma vidéo! Oh, dingue! J'ai ça! La dinguerie. Bon, les Master Ball, tant pis. Je vais les choquer. Là, c'est vraiment juste pour les choquer, hein. Hop, là, regarde ce qu'il y a écrit. Légendaire! Ah, ouais. Ah putain. Mets un let's go dans le chat. J'ai mis let's hog 5 puntos. Ils vont paniquer. Ah non, c'est un shiny. Ah le bâtard. Quel bâtard. Un double shiny. Non. Il y a eu un spawn de. Bah, un viens, de. Je viens sur toi, frère. De cheval là. Il est où le deuxième? Tu vois l'autre? Ah, il est. Ouais, il est là. Niveau combien? Ouais, niveau 10. Je sais pas si je lui envoie un pistolet à eau ou pas. Parce que je crois que je vais le one shot. Ça, c'est type feu ou pas? Mais niveau combien ton Pokémon? 11. Et non, lui... type D doit être sol, je pense. Vas-y, j'essaye. Ah ouais, 11. Ah merde, bah de toute façon il m'a tué. Allez, 4. Allez, rentre, Tiboudé. Waouh, waouh. Wesh, ma Pokéball elle tombe sous la map. Ma Pokéball elle est tombée sous la map. Ok, 1, 2. Ah ouais, des fois ça fait ça, ouais. 3, 4. Ok, let's go. Ok. Je vais pouvoir prendre dans mon PC l'autre shiny. C'était quoi? C'était Crocorib là. Voilà, Mascaïman. En plus, je mets Tokotoro et là, je vais fumer les Pokémon avec. Oh lol, mais mec, on va gagner. Il y a moins qu'ils soient bien aussi, donc je sais pas. Mais. Ok. J'ai confiance. Ayons confiance. C'est vrai qu'ils ont pas, ils sont peut-être pas chiés dessus, hein, en vrai. Ils ont même pas répondu. Ouais, à tout le monde, c'est genre leur quotidien, genre. Le quotidien trop banal, la li la la. T'as aimé? Ta gueule. Ouais, bon, la cohésion de notre équipe n'était clairement pas au top. Mais c'est pas grave, parce que je pouvais enfin mettre en place ma stratégie d'utiliser Tokotoro pour farmer de l'XP. Allez, là je farm. Oh voilà, je one shot tout le monde. Ça monte tout le monde en niveau dans mon équipe. Ok, c'est bon. C'est le retour. Je te dis, c'est le retour. On a monté tout le monde. On n'était pas les seuls à avoir une bonne stratégie. En parallèle, Dart et Gelfluss venaient d'en trouver une. En fait, je crois. Moi, ouais, j'aimerais bien farm les Rakaïu Shiny, genre limite. Ok, Rakaïu Shiny. 3 points en plus, frère. Enfin, 3 potentiels points en plus. Wesh, mais il est sous terre. T'as une pioche ou quoi? Non. Bah, frérot, je suis en train de miner dans le sol. À la main, genre. À la mano. Faut un travail de portugais. Vraiment, frère. Ok. Wesh. Bah, wesh. Attends, wesh, je suis au-dessus. Gamon, là. Je suis au-dessus. Merde. Ça va, tu vas pas mourir? Ok, c'est wesh, bon. Wesh, j'ai 7 cœurs. Waouh, ah oui. Ah, vas-y, reste là, il est juste en dessous. Je sais pas si tu le vois sur la map. Ouais, ça qui est cool avec les Rakaïu, c'est qu'on les voit bien sur la map. Tu sais, gros, je crois vraiment, je vais faire la strat. Je vais farm que des Rakaïu. Et frérot, il y en a deux. Aïe, là, il y a un autre. Ouais, là, j'en ai un, moi. Ok. Ouais, ok, vas-y. Ouais, ouais, prends le premier. Il est où? Ouais, il est là. Ah, bah, il est à la surface. Ça fait baisser, frère. Putain, mec, il faut absolument qu'on arrive à faire évoluer tous nos Pokémon en fait. Genre, une fois que je pense j'ai une full team de shiny, je fais tout évoluer. Et je pense qu'on plie un classique, hein. 4. Ok, let's go. Oh, t'as plusieurs shiny. Oh, jure. Mais je voyais un truc qui se déplaçait quand j'étais en combat et je voyais les particules. Je fais oh. Oh, let's go. Ouais, y'a un Pokémon, il fait que de me suivre, frère. Pas de lâcher, hein. Non, le harceleur, gros, c'est une dinguerie là. Tu sais, c'est un chamallow. Tu connais apparu dans quoi? Oh. T'es proche d'une. Non, mais non, c'est pas nous. Oh, Suicune, plage. Mais. Je suis à côté d'une plage. C'est moi. On a zéro luck, frère. On a vraiment zéro luck. Oh, y'a un Rakaïu Shiny juste au-dessus. Je vais le capturer. Oh, mais frérot, Rakaïu Shiny, c'est trop cheaté. Hein. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Je le masterball. Je m'en bats les couilles, c'est bon. Allez, hop, on fout la pression, frère. Je capture ce Suicune. On leur fout la petite pression. Ah, voilà, il a et eu. Wesh. Ok, peut-être il mente. Je te jure, il y a moyen, il mente sur le. Impossible. Ouais. Ouais. Je pense très honnêtement que même le premier, ça se trouve, il a menti. Frérot, tu sais que c'est quand même une chance sur 250. Genre, ce serait vraiment. Genre, ça relèverait du miracle. Ouais. Frérot, ce serait même honteux, je pense. Honteux. Oui. Moi, je pense que le mot serait grotesque. One shot ça. Bon. Ouais, c'est le premier Pokémon que tu tues, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Aussi tard. Et c'est qui le lion maintenant? Oh, chaque Pokémon évolue. Let's go. Pokémon vaut désormais 3 points. Mec, non. Si j'arrive à faire ça sur tous les autres, c'est pas mal. Dommage, je leur fais croire que je suis en mental breakdown. Ah, Dart. Ah, vas-y. Même à travers les messages, il sait pas mentir, ce mec. Hein. Je pense qu'il se doute d'un truc. C'est dit MDRRRR. Il se doute que j'ai plus d'une manche dans mon sac. Je vais carrément mettre tous les Pokémon qui me servent à rien dans un PC. Hein. Juste, ils me prennent de l'XP, c'est tout. Ils bouffent l'XP. Vraiment? Ah, je vais faire ça aussi. Lui, il dégage. Allez hop, là on vient d'économiser un peu d'XP. Même j'avoue, Léopardus en fait, comme il a évolué, je vais le remettre dans sa boîte, comme ça il vole pas de l'XP aux autres. Oh là là, mec.
Je suis tellement honoré, là je tourne la tête, je vois tendance. Ça y est, j'arrête d'en parler, c'est bon, j'ai compris. Mina qui va, il va aller se coucher ce soir avec le smile. Hein. Vous avez rendu un homme heureux le chat, hein. Ah bah là, vraiment. Wesh, j'enchaîne. Un Galvaran, envoie-lui un petit jet de pierre. Ok, parfait. 10%. 10% d'HP. Balls. Je sors mes grosses hyper balls. Oh oui. Oh oui, les hyper les balls. 3, 4. Ok, let's go. Je sais pas combien il a d'évolution, lui. Je sais même pas s'il a une évolution. Ah ouais, faut une pierre soleil. Pour le faire évoluer ? Ouais. Oh, vas-y, laisse tomber. Ouais, par contre, frère, le bruit quand tu soignes les Pokémon, c'est vraiment le micro-ondes. Hein. C'est vraiment, tu les mets au micro-ondes. Mais me dire que les mecs qui ont créé le mode ont sûrement vraiment fait comme ça pour refaire le bruit. Même qu'il a dit, vas-y, on peut chauffer la pizza en même temps, fais le bruit. Ouais. Ouais. Et au final, ils ont gardé juste le bruit de la pizza, frère. Ah, mais on oh, Rakaillou. Oh, le Rakaillou, bébé. Rakaillou. Bon, du coup, là, il passe en grave allonge. Du coup, ça fait qu'il est maintenant à 2 points. Et là, viens, on fait l'échange. Il va passer à 3 points comme ça. Allez, on fait l'échange. Vas-y, let's go faire l'échange. Hop là. Oh. Évolution de Gravalanche. Niveau 3, frère. Masterclass. Oh, il est petit. Oh, en vrai, ouais. Ça va, hein. Moi, je le trouve pas mal. Oh, frérot, je viens d'avoir une idée de strat. On est d'accord qu'on va jamais utiliser toutes nos hyperboles de la vie. Oui. Frérot, je vais en revendre une bonne partie au marché. Et je vais m'acheter des rapid balls à la place. Et des soins. J'avoue, et tout. Pas bête. Pas strat de con, hein. Commerçant. Bienvenue. Vendre. Bienvenue dans ma taverne. Jeune troubadour. Jeune troubadour. Est-ce que j'en vendrais pas, genre. Genre. 300. Mais même plus, frérot. Là pour 400, là, j'ai 268 000. Donc, 500, j'ai 300K, frérot. Donc, hop là, hop, c'est bon. C'est nous ? Ok, ou pas ? Il est là, je le vois. Ok, let's go. Il est shiny ? Non. Non, rêve. Dans tes rêves, mon pote. J'ai de capturer un peu. Ouais. Ah, mais y a pas de. Mon commerçant, il vend pas de Rapid Ball. Oh, c'est quoi l'écurie ? C'est pas un truc qui augmente le taux de shiny, ça ? Non, c'est les leurs qui augmentent le taux de shiny. Je suis peut-être complètement fou. Pierre Soleil, frérot. Ça régale. T'as un PC ou pas ? J'ai Floz. Il y en a, bah faut en récupérer dans le village là. Il y est plus, je crois il l'a récupéré Minoc. Parce que du coup je vais direct faire évoluer le, tu sais, le Pokémon de con là. Il y en a un sur toi ? Vas-y, viens sur moi. Ok, ah bah attends, déjà, hop, lui, je vais le mettre dans mon équipe. Mais gros, mais tu sais que c'est dingue là. Ok, let's go. Oh, en vrai il a un peu de flow hein. Ouais, en vrai ouais, il a un petit flow hein. Oh, il y a un bateau pirate. POV, One Piece. POV, tu être dans One Piece. Pirate, bateau. Faut que je parle de One Piece un peu de temps en temps pour répandre ces bonnes valeurs. Non. Les choses qui feront avancer les gens dans la vie. Grandissez les gars, regardez des films. Ouais, c'est vrai, regardez Truman Show. Et une fois que vous avez fini Truman Show, vous faites tout One Piece. Il va être chargé le programme. Je pense qu'avec la déter, tu fais One Piece en un jour. Faut de la déter et beaucoup d'écran. Et beaucoup d'espace de cerveau disponible. Bah après, moi je suis un peu supérieur à la moyenne, donc je pense que je pourrais, mais c'est pas donné à tout le monde. T'es HPI ? Je suis HPI, je pense. Entre HPI, on se reconnaît de toute façon. Moi, en fait, je bégaye tellement, c'est parce que, tu sais, il y a beaucoup d'idées qui se bousculent dans mon cerveau. Trop de choses qui se passent dans ta tête. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'écris mal, c'est juste parce que j'ai trop hâte du mot suivant. T'as trop hâte du mot suivant. La façon de l'expliquer me bute de rire. Genre, j'ai trop hâte de la suite de la phrase, du coup, je skip un mot. Moi, c'est l'inverse. Ah, il y avait des contrôles tellement, des fois, j'écrivais de la merde, je commençais à rigoler, juste comme ça. Tellement, j'écrivais de la merde, je commençais à rire tout seul. Pendant les vannes. Ah oui, t'es vraiment cook. Tu savais que là, c'était vraiment fini. Et vraiment, je te conseille, vends une partie de tes hyperboles. Hein. Vraiment. Genre, vraiment, mais genre, limite, vends-en 1000, tu vois. Genre, je te jure, on en a trop. On en a beaucoup trop. Registil est apparu dans le désert. Ouais, il est grave pas shiny. Niveau 40, en vrai, je le prends ou pas ? Niveau 40. Ouais, si, je le prends quand même. Ouais. 1, 2. Ah. Je fais quoi ? Je l'abandonne ou pas le. Oh là là, frérot, c'est long ! Donnez-moi ce Registil, je le mérite, s'il vous plaît. 2 encore. S'il te plaît, me one-shot pas. Ah ! Waouh, il m'a one-shot. Mec, tu vois les plaques qu'on achète au commerçant ? Ouais. Donne de l'XP. Oh, bah gros. Bah, ok, on va être niveau 100. Oh, mec, le truc que tu viens de trouver, c'est une dinguerie. Bah, même ça peut. On peut faire évoluer tous nos shiny avec ça. Oh, Charville évolue. Oh, quel lucré. Oh, je suis mort de rire. Comment on va passer de 5 points à 15 points en une seconde ? Ah, oui, c'est vraiment vénère en fait. Comment ça, achète des stacks de curry, frère ? Oh, tu peux m'en acheter aussi pour moi. Au moins, tu pourras m'en donner un peu. Mais non, Charbic évolue encore. Mais non, la dingue. Attends, c'est quoi qu'il faut acheter du coup ? C'est le curry ? Ah, si tu veux, j'en ai déjà quitté le stack. Waouh, ah oui, d'accord. Et genre là, je sors mon Pokémon et j'XP. Tu fous le lit droit dessus, ouais. Tout à l'heure, j'avais mon ventre, il gargouillait depuis tard, j'ai trop faim. Mais maintenant, c'est ma bouche, elle me met des coups dans la bouche en mode de ce que j'ai envie de manger. C'est une folie, hein. Non, j'ai vraiment trop faim. Vraiment faim. Hein. J'aime trop manger, dormir, boire les trucs basiques, c'est incroyable. Toi, t'es un mec qui t'en fout pas beaucoup. Et être tendance générale aussi. Juste ça. Juste. Mais y'a plus de shiny sur Pixelmon. Oui, ils nous ont tiré. On est punis, genre. Et honnêtement, le fait de ne pas avoir de shiny, ça a commencé juste à nous rendre fous. Oh punaise. Marge, est-ce que tu m'as apporté mon donuts sucré ? Oh,
au sucre. En plus, moi, je mange vraiment des donuts sucrés au sucre quand je vais à la cafette. C'est vraiment trop bon. Toi, t'as décidé de vivre une vie de kiffer hein, quand on y pense. Ah ouais, vraiment. Pim, pim, pim. Tu sais que ça commence à m'énerver cette histoire-là. Y a plus de shiny, mon jeu freeze comme pas possible. Tu penses 1v1, toi contre moi, on se croise dans la rue, y'a pas de règle. Qui c'est qui met l'autre à terre? Moi je gagne. Bah je gagne d'autant plus que mon Remoraid évolue, mon pote. Wow, let's go ça. Donc ça nous rajoute. Toi, comment ça tu gagnes? Comment ça tu gagnes? Moi je pense que je gagne. Parce que je ramène un cutter, mon pote. Et je comprends pas comment ils font les gens qui. Les records du monde où ils dorment pas pendant 10 jours. Moi je pense qu'ils sont fous hein. Je pense moi je peux faire un jour, ouais. Deux jours à la limite, mais pas plus hein. Moi même pas. Même un jour j'arrive pas. Toi 6 heures de sommeil déjà, c'est pour t'abattre. Ah non, mais vraiment. Pourquoi? Mais mec, tu sais qu'on a pas de shiny depuis genre. Oui, folie hein, peut-être une demi-heure. Là, ils peuvent carrément nous remonter alors que là, on a plus rien, mais genre vraiment rien. Imagine, y'a un des deux gars qui s'était pas à nous. Ils vont pas comprendre. Il va serrer son crâne. Oh, let's go, ça évolue de mon côté. Oh, mec, on est magnifique comme ça. Tous les deux dans un trou, en train de littéralement automatiser le jeu. Oh, mais frérot, c'est trop cheaté. Geflose, on va gagner. Y'a pas un monde où on perd, Geflose. On a automatisé le challenge, frère. On va avoir une display, Geflose. On va avoir une display. Ah oh non, c'est dingue. Mais gros, mais on va les bouffer. On va les bouffer. Oh, je suis mort de rire. Genre, on est en train d'imprimer de la monnaie, là. Mais frère, c'est trop cheaté. Il rend bien sur... C'est sur... Oh, Zébibron, shiny! Enfin! Oh, jure! Oh, c'est bon, la malédiction qui est brisée. En plus, tu le fais évoluer, c'est 3 points. Tu le fais évoluer, c'est 3 points, du coup. Rapid ball, et on en parle. Oh, rapid ball, frère. Mais masterclass, allez hop. Oh. Zébibron, oh là là, one in the box. KO premier round. Tu sais que là, ce qu'on fait, c'est vraiment du commerce d'animal exotique illégal, là. Hein. Genre, je sais pas si t'es au courant, hein, quand même. Hein. Bah là, ça frise, hein. Ouais, je fais des gros TP. Oh! Mec, le freeze c'était pas pour rien. C'était un freeze qui a chargé un shiny, je crois. Non, non, c'est moi, je me suis trompé. Il y a juste eu un timing de fou. Mais si, c'est un shiny! J'ai pas rêvé! Si, j'ai pas rêvé! C'est quoi? C'est qui? C'est Ratata, ça veut dire que. En plus, il est niveau 20. Du coup, oh, dans genre un ou deux niveaux, Ratata. Il évolue en Ratata et on a 3 points gratuits. On a 3 points gratuits là. Oh, mais c'est super. 3 puntos. On retourne dans la course. Hein. Mec, c'est le comeback. Allez, en plus, le one shot, la capture, c'est parfait. Allez. Oh, le curry, frère, c'est trop bon. Oh, c'est trop bon le curry, gros. Je pense, gros, tu vas voir là, on va terminer le rec. Mec, je vais me faire un de ces plats au curry pour fêter ça. Ça va être dingue. Hein. Je vais mettre v'là le curry dedans carrément. Si tu veux, je t'envoie la photo, frère. Je vais mettre énormément de curry dans mon plat. Hein. Mais tu sais que la vérité, je te jure, il y a moyen qu'à moi tout seul, j'ai plus de points que. Mais mec, tu sais que si jamais je dois juste leur payer à eux, je suis dégoûté, hein. Mais genre, c'est vraiment mon esprit de rat là qui est en train de reprendre le dessus, je serais dégoûté. Oh, portail ultra chimère. Ok, occupe-toi de ça, moi je m'occupe de ultra chimère. T'as un portail? Ouais, et si on n'allait pas dans l'ultra chimère nous? Go. Ok, c'est bon, j'y suis dedans. Ah, c'est bon. Ok, ça m'a fait ça fait recrash. Ok, c'est bon, j'y suis. Oui, c'est bon, t'as l'achievement. Ok, nickel. Mec, là, c'est des niveaux 100, c'est-à-dire t'as que des trucs qui donnent des 3 points. Ouais. Et si t'as une ultra chimère qui spawn dessus en shiny, c'est 5 points. Oh! Oh, mec, on peut tellement remonter. Dans cette dimension, il y a plein de légendaires. Ça veut dire que t'as un peu de chance, tu peux avoir un légendaire shiny là-dedans. Ok, là, je vais aller retourner dans l'océan et je vais rester que au même endroit. Je vais farmer des Pokémon de l'eau. Je te jure, c'est le. Je garde cette strat, j'ai pas le choix. Ah oui, non, mais fais les Magikarp. Hein. Mec, j'ai tellement de pression parce que je ne sais pas combien ils ont de leur côté. Let's go, Ratata qui évolue. Allez, là, on vient de gagner 2 points. 2 points. Allez, mec, là, je farm. Je vais essayer d'avoir peut-être un petit escroco pour gratter un point de plus. En même temps. Je fais que de faire les codes, ça veut dire il y a bien un moment où il y aura une armée Magikarp qui va spawn, il y aura un Léviator. Ouais, mais c'est sûr. Oh, il est rose. Ah ouais. Oh, mais mec, le flow. Oh, mais gros, t'as un de ces flows, frère. C'est une dinguerie, hein. Oh. Est-ce que c'est un boss? Grave un niveau 50, shiny. Allez hop. Shiny. Ça, ok, allez. Allez hop, capturé direct. Voilà, moi je perds pas de temps. Il possède en shiny, je te jure, je le vois. Il potrempe shiny, je veux dire. Allez. Je cours dessus. J'adore ce Pokémon. Moi je suis projeté, il possède en direct. C'est vraiment mon préféré là, j'ai. Je suis trop heureux, genre. Oh, j'ai lancé le combat de si loin. Allez, ok, on se calme. Je le lance. Allez, frère. Hippotrump, en plus, il est niveau 29. Ça veut dire que ça va être un hippocéan dans très très peu de temps. Ça veut dire que peut-être ça pourra nous rapporter 1, mais peut-être même 2 points si je suis assez efficace. Si j'arrive à le capturer assez vite. Et allez, du premier coup. Oh là là, mais j'adore ce jeu. C'est notre moment. C'est le moment du comeback. Peut-être qu'eux, ils ont une stratégie de fou. Ils sont invincibles, on s'en fout. On y remonte, on les éteint. Kaizen, mon pote. Mentalité inoxtag, frère. Bah attends, viens, on fait l'échange. Oh là là. Gravelange. Il y avait vraiment plus de shiny tout à l'heure. Ouais, de ouf. Là, il y en a plus, frère. Il peut pas y avoir, je sais pas, un petit Gravelange shiny là en vrai. Voilà, je farm du Pokémon, ça veut dire je farm de l'XP, mais avec un peu de chance, je tombe sur un shiny, on sait jamais. Il nous reste 7 minutes. Ouah, 7 minutes, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. On va le faire. Mec, Hippotrempe, faut qu'il gagne 3 niveaux. Comment je peux
Je peux pas me TP sur toi. Je suis là. Bienvenue. Allez, allez, allez. Si je tue le niveau 80, c'est sûr. Oui, ok, je l'ai tué. Allez, ouais, ça rapporte tellement peu. Oui, c'est bon. Masque a manqué vous lui. Allez, première évolution, c'est un point de plus. C'est pas énorme, ok. Mais ça reste un point. Je suis mort de rire. Si vraiment on est ultra confiant et qu'on se fait juste baiser, ce serait tellement drôle, gros. Et après 3 heures, le temps est écoulé. Ce qui veut dire que c'est donc le moment de savoir qui de nos deux équipes a gagné. Alors, attendez, avant de commencer, voilà, je tenais à flex lui. Déjà. Il est shiny ? Non, on n'a pas eu de shiny. On n'a pas eu de légendaire shiny, okay. Les gars. Non, on vous a bluff en vrai. Hein. Ah, mince. Oh non, c'était du bluff. Non, gros. On commence là, ça fait 3 points. Ça fait 6 points. 9, 12, 15, 18, 20, 21 et 22. Boum ! Est-ce qu'avec ça, on a gagné, les gars ? 22, c'est quand même énorme. C'est moi qui ai 22. Non ! 3, 6, 9, 12, wesh. 15, 13, 14. Attendez, j'en ai encore dans mon PC, j'en ai encore. Oh ! Mais c'est pas possible. Mais nous, on galère à en trouver des shiny, les gars. Ça fait 22 en tout. Ok, et du coup, les miens, c'est les gars. C'est leur point, en gros. 3, 6, 9, 12. et 15. Mais comment ça, vous en avez autant ? 37. Oh, j'ai buzzé, trop content. La demi-display, c'est plus. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est l'XP infini. On l'a trouvé pendant la game. Ah, vous connaissez même pas, on connaissait pas. Tu verras sur le rec, c'était trop marrant. C'était trop marrant, frère. Non, les gars, non, franchement, bah, GG, hein. Je vous dis la vérité. Non, bien joué. Franchement, vous méritez votre display. Bien joué, les gars. Ouais, GG, les gars. Merci. Y'a pas à dire là.